Bienvenue pour cette nouvelle technique du mois. Ce mois-ci, on va travailler Mawashi Geri au ventre, Mawashi Do Geri. Hein, le coup de pied circulaire au ventre, Mawashi Do Geri. On va travailler ça en attaque. Comment placer Mawashi Do Geri en attaque? Voilà, donc par rapport à Mawashi Do Geri, il est important de bien emmener la hanche, d'accord? Si je tape ici, ma hanche n'est pas engagée, je vais manquer de puissance. Donc il est important que ma hanche s'engage vraiment. Hop, puis ma hanche qui s'engage. Très très important. Hein. Et puis ensuite, par rapport à ça, nous avons aussi la notion de l'endroit de la frappe. Ça peut être le dos du pied, d'accord, hein. Ça peut être le tibia en fonction de la distance. Ce qui est important de comprendre, c'est que si c'est le bout du pied, d'accord, le bout du pied avec les orteils, ou avec les métatarses, bon bah là il n'y aura pas assez de puissance, l'arbitre ne donnera pas de point en fait. Hein. Des fois on a ça, on attaque fort, mais en fait il n'y a pas de puissance. Hein. Donc il faut quand même engager, avoir au moins le dos du pied ou le tibia ici, pour... très important. Hein. Donc pour placer ça en attaque, on a plusieurs possibilités. Hein. Ce qu'on retrouve en compétition, c'est on est en combat, et puis on l'endort un peu dans le combat, avec du pied-point, avec du poing plutôt d'ailleurs. Hein. On l'endort un peu dans le combat avec du poing, il est attentif à ce qui se passe en haut, et il ne se rend pas compte que je suis dans la bonne distance. Donc je l'ai un peu endormi, et je démarre fort avec mon Mawashi Do. C'est de lui faire lever la garde avec un lasso en haut. Souvent, il a fait un déplacement arrière. Et à la fin de mon envoi, eh bien, je place avec mon élan, je place mon Mawashi Do. D'accord? Ça fonctionne très bien ici. 1, 2, 3.